Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Jean-Philippe Mathieu, M. Alain Dufresne, M. Louis-Georges Thomassin et M. Charles Durocher, formant quorum sous la présidence de Mme la mairesse, Mme Juanita Daniele, en présence de la greffière, Maître Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc Proulx. Donc, on peut débuter la séance. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne-tu? Pas fort. Vas-y. Merci, Charles. Monsieur Durocher, montez le volume, s'il vous plaît. Vas-y. Un, deux, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça sent bien. Ça sent bien? Bon, parfait. Je crois que les personnes présentes ont reçu l'ordre du jour. Monsieur Auclair a fait la distribution comme il se doit. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil municipal, séance ordinaire, mais extraordinaire dans le sens où cette séance est tenue à l'extérieur dans un parc municipal. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je crois qu'on n'avait pas de modification à apporter à l'ordre du jour. Il y a le point 25 qui a été remplacé par le point concernant l'organisme des bassins versants de la Charlevoix-Montmorency. On passe au vote pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour. Au point 3, au niveau des suivis de la séance. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016. Okay. Je vote pour. Pour. Le point 4, adoption des comptes. Ce mois-ci, vous allez voir qu'on a un montant assez considérable compte tenu du décompte concernant le parc des Saphirs qui représente quand même un montant total de 3 millions. Alors, oui, Georges, je te laisse aller. Ben oui. Ah, oui. Je pense que OK, le total des comptes pour ce mois-ci, c'est 2 148 442,65. On dit qu'il y a un montant pour fortier excavation, construction du bâtiment du parc des Saphirs pour 1 192 260,59. Il y a eu le deuxième versement de notre quote-part à la MRC de la Chaux-de-Cartier pour un montant de 123 610. Ensuite, Paradis Aménagement, la fourniture et la plantation d'entretien des végétaux. Vous voyez ici les arbres. Il y en a pour un montant de 40 452,62. Et ensuite, il y a eu le remboursement à Métro Excavation de la libération de retenue concernant l'aménagement du puits SBL 5 pour un montant de 48 081,31. Et il y a un montant versé à Catapulte Communication pour les honoraires de communication dans le dossier d'acquisition du club de golf alpin pour un montant de 5 421,07. Merci, Louis-Georges. On va passer au vote pour l'adoption des comptes. Pour. Au niveau des suivis des correspondances, j'ai reçu une correspondance, c'est-à-dire que le conseil de ville a reçu une correspondance de Mme Jocelyne Clavet, présidente du conseil d'administration de la Chorale Écho des Montagnes, qui remercie l'aide financière qu'elle a obtenue de la ville pour l'acquisition des nouveaux podiums. Maintenant, au niveau des suivis des dossiers. Alors, semble-t-il que ce n'est pas la première fois qu'une séance publique se tient à l'extérieur. Louis-Georges, qui a beaucoup d'expérience en la matière, m'a dit qu'il en a déjà eu à l'Île-Enchantresse. Au Chalet des Sports. Il y avait un Chalet des Sports à l'Île-Enchantresse, imagine. Alors, je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère qu'on va répéter l'expérience. L'été prochain, là, on a l'intention de répéter l'expérience, puis on va se promener un petit peu partout dans la ville, parce qu'on veut voir tout le monde dans tous les secteurs. Donc, c'est intéressant. J'aurais souhaité qu'il y ait un petit peu plus de jeunes.
On a un petit peu, on a deux, mais deux, trois. Donc, peut-être que la prochaine fois, on va essayer d'attirer un petit peu plus les jeunes. Pourtant, on avait des biscuits là, à leur offrir, puis des jus. Alors, on souhaite que pour une prochaine édition, là, on attire un petit peu plus de jeunes. Peut-être que vous passez le mot. C'est une façon pour nous de se rapprocher. Hein. Dans le fond, c'est important d'aller tâter le pouls. Puis tout le monde, là, toute l'équipe du conseil municipal, on trouve que c'est important, à chaque fois qu'il y a des activités, que ce soit, par exemple, le marché public qui a lieu à tous les vendredis, on trouve que c'est important d'être là, d'être présent, puis de parler aux gens, parce qu'il n'y a pas juste les séances du conseil où on peut avoir des discussions avec nos citoyens, mais c'est dans les moments de tous les jours, on a le IGA où on peut rencontrer plein de gens, où on peut discuter. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant de me faire aborder là, quand je me promène, quand je vais au IGA, puis que les gens m'abordent, puis ont des questions. Je trouve que c'est des moments privilégiés pour nous, pour les élus, d'avoir des contacts directs avec les citoyens. Je regarde un petit peu les notes que j'avais prises. Vous voyez, ce parc-là, on a ajouté au début de juin 7 arbres qui ont été plantés tout autour du parc. Il y a eu la haie, aussi la haie de cèdre, qui cache, qui donne un petit peu plus d'intimité aux voisins. Ça faisait partie du plan de protection, conservons et reboisons Sainte-Brigitte. Parce que vous savez que le secteur ici, c'était une forêt auparavant. Et pour nous, on trouvait que c'était important de redonner cette allure naturelle-là au secteur. Donc, il y a un plan de conservation, de protection et de reboisement dans les cas où c'est impossible de protéger, de déboiser. Il faut déboiser absolument. Donc, on va reboiser des secteurs publics comme ça ici, qui va donner une toute autre allure finalement au quartier au complet. Ce que je veux dire aussi, c'est que aujourd'hui, on le sent par la température, c'est un petit peu plus frais. Hein? C'est bientôt la rentrée scolaire. Et cette année, il y a plusieurs jeunes qui vont avoir le bonheur d'être les premiers élèves à fréquenter une toute nouvelle école. Et on peut en être très, très fiers. La croissance de notre ville a fait en sorte que nous avons eu un rapide besoin d'investir dans ces infrastructures scolaires-là. Et nous aurons, au cours des prochaines années, encore à le faire. Et je ne me suis jamais cachée, ça c'est clair, que j'ai le désir de voir naître sur notre territoire une école secondaire. Monsieur Lemieux va vous en parler un petit peu plus là, du projet tout à l'heure, mais moi-même, comme mère d'adolescent, ma fille est ici, là, elle est cachée, je comprends la réalité des parents qui voient leurs jeunes faire des longs trajets d'autobus scolaire ou qui demandent des lifts aux parents. Donc, on sait là, que c'est des distances assez considérables. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a un projet de taxibus. Le sondage est toujours en ligne et je me fais interpeller souvent. Là, je vais me promener au skatepark puis les jeunes me le demandent encore là, pour avoir ce service-là. Puis je pense que ce service-là rendrait énormément service à bien des parents. En lien aussi avec l'ouverture de la nouvelle école, j'aimerais simplement rappeler qu'il y a une nouvelle signalisation qui a été mise en place au village. Alors, portez-y attention, soyez prudents sur les routes dans ce secteur-là, parce que c'est sûr que ça va être une période d'adaptation. Une nouvelle école, beaucoup d'achalandage, donc il va falloir y porter une attention particulière. Je voudrais souligner aussi le beau succès du marché public. À la première édition, la première journée du marché public, on a eu tout près de 300 personnes qui se sont présentées. Vendredi dernier, 336 personnes s'y sont déplacées. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gens, les citoyens de Sainte-Brigitte qui sont contents de pouvoir profiter d'un marché avec autant de produits frais et variés. Et on a même un commerçant local qui transforme des produits et qui les amène au site. Cet automne, ce que je veux mentionner, c'est qu'on va accorder aussi beaucoup d'importance. Vous allez le voir ce soir, on va octroyer un contrat
pour la confection des plans et devis pour l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. Donc, ça, c'est un dossier qu'on trouve vraiment important à prioriser parce que ça va rendre cette portion de l'avenue Sainte-Brigitte beaucoup plus sécuritaire, alors que maintenant, c'est pas vraiment large. Il y a des morceaux d'asphalte qui tombent là, tellement c'est pas large. Donc, il faut revoir toute cette section-là. Et pour la première phase des travaux qui devrait débuter en 2017, l'avenue Sainte-Brigitte sera refaite à partir du 475 avenue Sainte-Brigitte, aller jusqu'à la rue Saint-Georges. Et toujours, question de sécurité, je vous annonce que cet automne, nous déploierons de nombreux efforts à faire progresser le dossier de la voie de désenclavement. C'est déjà commencé et on le poursuit et on espère pouvoir présenter quelque chose au prochain PTI. Alors, je cède la parole à M. Jean-Philippe Lemieux. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons adopter une résolution qui porte sur l'analyse des puits privés, l'analyse d'eau des puits privés sur notre territoire. Étant l'élu attitré à l'OBV Charlevoix-Montmorency, je veux prendre le temps de vous en parler un petit peu plus en détail, savoir comment ça va se passer. Tous les propriétaires de puits de Sainte-Brigitte-de-Laval vont recevoir une lettre de la part de l'OBV ainsi que de la CMQ dans le but de leur demander s'ils veulent faire leur analyse de leur puits de façon tout à fait gratuite. Les gens intéressés ils vont être contactés par la suite par l'organisme, l'OBV, l'organisme des bassins versants Charlevoix-Montmorency, afin, bon, ils vont prendre rendez-vous avec vous pour qu'ils puissent prélever un échantillon d'eau de votre puits. Ensuite, les échantillons vont être expédiés au laboratoire de la Ville de Québec. C'est un laboratoire qui est accrédité par le ministère de l'Environnement durable et de l'Environnement et du Développement durable. Pardon. Donc, en cas de non-conformité de la qualité de l'eau, l'OBV ensuite va communiquer avec les gens, avec les propriétaires concernés pour leur suggérer une méthode de désinfection de leur puits. Donc, ça peut être, en fait, je trouve que c'est très, très intéressant là, pour les gens qui puissent bénéficier de ça de façon gratuite. Maintenant, j'ai le goût également ce soir de vous entretenir d'un projet qui me tient à cœur et qui nous tient tous à cœur, je crois, dans notre équipe. C'est le projet d'avoir, d'ici quelques années, une école secondaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est un projet mobilisateur qui prend forme présentement. On est au début de l'exercice. Il est au stade de rêve, d'une vision. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un besoin. Et nous croyons que Sainte-Brigitte-de-Laval a tous les atouts afin que ce service aux jeunes soit extraordinaire. Ça fait partie d'une vision structurante qui permettra de consolider et d'unir, entre autres, différents quartiers de la ville, autant par de nouvelles rues qui connecteront nos secteurs, mais également en passant par des nouveaux sentiers pédestres, pistes cyclables, parcs publics, espaces de détente et de sport, comme une piscine peut-être, ski de fond, raquettes, marches, un aréna, des sentiers glacés, incubateurs d'entreprises en allant vers un parc technologique lié avec la formation professionnelle. On ne peut pas se limiter présentement. On est ici dans une vision d'avenir de Sainte-Brigitte-de-Laval qui permettra de s'inscrire comme leader, comme destination récréo-touristique. À cause des parcs et activités qu'on pourra faire quatre saisons en ville, mais aussi à celles que l'on fera plus au nord, dans un projet privé cette fois-ci. Des activités plus grandioses. Et où la ville, de par son offre globale, va en inspirer plus d'un pour venir s'y amuser et qui sait s'y établir. Le CCADD a été mis à profit afin d'avoir des recommandations, des idées, et à date, je peux vous dire que c'est très positif comme feedback. Bien sûr, des détails vont suivre dans les prochains mois. On va vous en informer. Soyez à l'écoute. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. OK. D'accord. Donc, comme suivi, ce soir, j'ai simplement à vous dire que j'aimerais avoir des candidatures pour faire partie du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un membre qui nous a quittés pour des occupations personnelles.
Donc, les personnes intéressées, s'il vous plaît, donnez votre nom à Michael Boutin à l'Hôtel de Ville. Je n'ai pas d'autres suivis car j'ai pris des vacances et j'ai quand même suivi là, de loin les activités de la ville, mais je n'ai pas participé personnellement. Je vous remercie. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Je vous rappelle mes petits projets. Comme Wendell disait tout à l'heure, le taxibus, le sondage est toujours sur le site internet de la ville. Je vous inviterai à aller le remplir. On en sera vraiment à avoir vos idées par rapport à ce projet-là. Pas trop répéter non plus, comme Wendell disait, le marché public, ça va très très bien. On a une moyenne d'environ 330 personnes à peu près par jour. Je vous rappelle un peu les dates, jusqu'au 9 septembre à tous les vendredis de 15h30 à 19h30. Et c'est au Chalet des Sports à côté du skatepark. Jusqu'ici, tout va super bien. On a des exposants qui changent à chaque semaine. Fait qu'à chaque semaine, c'est un nouveau rendez-vous pour savoir exactement tout ce qui est disponible pour vous. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Donc, juste pour... pas parce que je veux parler du taxibus, mais sauf que c'est... je vais continuer parce qu'ils viennent juste d'en parler. L'idée, c'est que ça se termine, le sondage sur le site Internet. Ça se termine le 31 août prochain. Donc, les gens sont intéressés à vraiment remplir le sondage, mais on vous a vu jusqu'au 31 août. Et puis, les... Oui, effectivement. On va demander aux parents de le remplir pour les jeunes à ce moment-là. Et puis, là, les résultats, bien, c'est bien sûr que ça ne tardera pas, ça va être en septembre. La prochaine activité qui s'en vient à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est le défi santé, comme on connaît et qu'on a un bon succès. Ça va avoir lieu dimanche, le 25 septembre prochain. L'endroit, ça va faire différer un petit peu cette année, ça va être au club de golf alpin. Les parcours vont être faits, puis ça va être sur le parcours du golf, ça va être vraiment bien intéressant. Par la suite, au niveau de l'inscription, c'est déjà débuté. C'est sur le site de la ville, ou s'il y en a qui ne veulent pas aller sur Internet, bien, il y a toujours de se présenter à l'Hôtel de Ville ou par téléphone également. Les gens vont vous recevoir. Il va y avoir également, c'est déjà débuté, ça va se terminer le 5 septembre prochain. C'est la prochaine programmation automne 2016. Donc, c'est au niveau des activités de la ville également, là, ce qui est rattaché. Donc, c'est ce que j'avais à dire au niveau de mon suivi. Ça fait plaisir, mais ne parle pas du taxi-bus. Non, hein? Bonsoir. Moi, dans mes dossiers, il y avait dossier au niveau des finances. On va voir au prochain point. Il y a le dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2016. Ce que je peux mentionner, c'est tant au niveau des revenus que des dépenses, je veux dire, on est dans nos cibles budgétaires. Il n'y a pas de dépassement comme tel. Je pense qu'on est dans des bonnes cibles. Ensuite, au niveau des activités, bien, naturellement, j'étais présent aussi à l'inauguration du marché public. Et puis, j'ai assisté, si on veut, au mois d'août, les deux dernières soirées qu'il y a eu, si on veut, de soirées musicales. Il y en a eu une à l'église, et il y en a eu une ici vendredi dernier. Donc, ce que je peux mentionner, c'était des bons spectacles, mais la participation de la population est très, très, très faible. Merci. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, samedi le 13 août a lieu le lavoto de la Maison des Jeunes à l'entrée de la ville. J'y ai fait laver mon véhicule, manger quelques hot dogs. La Maison des Jeunes, bien sûr, j'ai mangé quelques hot dogs, franchement, c'est moins quand même. Donc, la Maison des Jeunes a amassé plus de 300$. Merci à la population, merci aux gens qui ont été. C'est leur autofinancement. C'est pas un mauvais jeu de mots, là, autofinancement. Donc, je vous invite le prochain coup qu'ils font un lavoto. Allez-y, les jeunes ont bien fait ça, inquiétez-vous pas, ils scratchent pas les chars. Je voudrais aussi vous mentionner que la programmation pour la fête des montagnes devrait sortir au mois de septembre, qui aura lieu la fin de semaine de l'Action de grâce au mois d'octobre, qui est le 9 et le 10 octobre, je crois.
Et puis, je tiens à remercier le CCACP et son sous-comité et les employés du département du service des loisirs et autres à la ville qui ont travaillé très fort depuis un an pour la réalisation de cet événement qui remplacera le Lavaleur. Bonne soirée. En tout cas, ils ont soumis des idées très, très intéressantes. Franchement, là, j'en ai eu un petit aperçu puis j'ai très hâte de vous dévoiler tout ça. Alors, le point suivant, dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2016, comme le mentionnait tout à l'heure M. Thomasin. Alors, on a reçu les états comparatifs de Mme Jessie Fradette, qui est trésorière. Le point suivant, le point 8, avis de motion. Je vais laisser la parole à M. Lemieux encore une fois. Oui, merci Mme la mairesse. Donc, je vais faire deux avis de motion, le point 8 et point 9. C'est... je vais les faire, je vais vous l'expliquer après, parce que ça va être du charabia si je ne l'explique pas. Donc, c'est l'adoption d'un règlement remplaçant et abrogeant le règlement 767-15 relatif à l'éthique et la déontologie des élus en matière municipale. Ça, c'est le point 8. Et je donne également avis de motion, point 9. Qu'il y aura l'adoption d'un règlement remplaçant et abrogeant le règlement 661-12 relatif à l'éthique et la déontologie des employés municipaux. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le cas de ces deux avis de motion-là, c'est que le gouvernement du Québec, en vertu d'un projet de loi qui a été adopté en juin, c'est le projet de loi 83. Donc, c'est la loi qui régit là, les règlements concernant l'éthique et la déontologie, autant pour les élus que pour les employés municipaux. Et donc, toutes les villes devront ajouter qu'est-ce qui a été adopté par le gouvernement, puisqu'il faut suivre là, la loi principale. Donc, il y aura également un avis public en septembre. Il faut que toutes les villes, donc nous aussi, faut qu'on se conforme à ça, il faut qu'on le fasse avant le 30 septembre. Dans notre cas, ça sera fait le 12, c'est ça, hein, le 12 septembre. Alors, je vais vous lire un peu qu'est-ce qu'il faut ajouter à notre règlement. Donc, c'est le point 7.8, annonce publique. Il est interdit à tout membre du conseil municipal de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la ville, sauf si une décision définitive relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la ville. Les membres du conseil qui emploient du personnel de cabinet doivent veiller à ce que les employés respectent l'interdiction au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, les membres du conseil en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 8. Bon, alors ça sera ajouté à notre règlement sur la déontologie. Alors, c'est vulgariser ça, là, c'est simplement s'il y a, par exemple, des élections et en activité de financement. Il faut bien comprendre que c'est lors d'activités de financement, ben on n'aurait pas le droit de parler de projets qui sont en cours et qui n'auraient pas été ou fait par résolution par la ville. Donc, tout ce qui est en cours, qui n'a pas eu de résolution, on n'aurait pas le droit d'en parler dans ces activités de financement-là, autant pour les élus que les employés de la ville. Alors, voilà pour ces avis de motion. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est l'avis de motion concernant le règlement sur la rémunération du personnel électoral. Bonjour. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal un règlement établissant la rémunération du personnel électoral. Le personnel électoral, ça comprend président d'élection, secrétaire, l'adjoint au président, les membres de la commission de la revision, les scrutateurs, secrétaires, les membres à la table de vérification, le primo ou la primo, puis responsable de salle. C'est dans cette politique-là, je veux dire, on va retrouver, si on veut, les saveurs de chacun d'eux. Et le règlement est présentement en ligne. Non? Il n'est pas en ligne encore? Mais Sam, tu me dis ça après-midi qu'il est en ligne. Le règlement n'est pas tout de suite en ligne puisqu'on est simplement à l'avis de motion. Ah, d'accord. Cependant, il va être en ligne avant le 12 septembre. Parfait. Désolée, ça doit être un autre règlement là, où vous m'avez parlé, Mme la greffière.
maintenant, passons au règlement. L'adoption du règlement 788-16, modifiant la clause de taxation du règlement 583-09, relativement à des travaux d'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 721 000 remboursables pour une période de 20 ans. Donc, c'est un règlement qui date de 2009. Nous, on le met à jour en 2016 pour le rendre plus équitable pour tous les payeurs de taxes. Et c'est la même chose pour le point suivant, qui est l'adoption du règlement 789-16. Alors, je vais passer au vote pour le point précédent. Excusez, avant. Je vote pour. Pour. Je vote pour. 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 L'autre adoption de règlement, c'est le règlement 789-16 qui modifie la clause de taxation du règlement 625-11 qui date donc de 2011 relativement à des travaux d'augmentation de la capacité de la station d'épuration phase 2, autorisant une dépense de 1 515 000 et comme je vous le mentionnais, c'est de façon à être plus équitable entre chacun des payeurs de taxes. Alors on va passer au vote. Trésorerie, demande de subvention, fonds des petites collectivités, volet 2, infrastructures collectives. Alors, il y a des montants qui sont disponibles pour les municipalités de moins de 100 000 habitants. Et la municipalité désire déposer une demande de subvention puisqu'on remplit les critères d'admissibilité au niveau du volet 2 de ce programme. On pourrait obtenir une subvention qui s'élève à un montant de 62 et 2 tiers du coût maximal admissible. Alors, on passe au vote. Pour. 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 Le point suivant, demande de subvention pour le fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Alors, au PTI, on a déjà des projets, soit l'élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte pour un montant de près de 3 millions, la mise à niveau des conduites et l'agrandissement du bâtiment du 35 Goudreau, qui est la station de pompage d'égout pour 580 000, et la réparation des conduites de la rue du Collège et de la Patinoire, ainsi que la rue de l'Étang et l'Angevin. Et possiblement, c'est Étang et l'Angevin, exactement. Alors, il y a des montants qui sont disponibles dans le cadre de ce fonds. Alors, nous allons déposer nos priorités à ce niveau-là et nous allons également obtenir ces priorités-là dans le cadre d'une demande qui sera faite conjointement avec la Ville de Québec puisqu'on parle beaucoup d'eau et d'assainissement des eaux, de protection des sources d'eau. Ça va faire partie également des priorités de la Ville de Québec. Pour! Pour! Je vote pour! 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 Point 15, demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, volet communautaire. C'est un programme qui vise à promouvoir le bénévolat chez les aînés, inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité, accroître la sensibilisation au mauvais traitement envers les aînés, appuyer la participation et l'inclusion sociale des aînés, fournir une aide à l'immobilisation pour des projets de programmes communautaires pour les personnes aînées. On serait admissible à une subvention de 25 000 par année. C'est certain qu'on va déposer une demande auprès du gouvernement pour ce volet de projet. Alors, on passe au vote. Pour. Le point suivant, c'est l'autorisation de paiement du décompte numéro 4 pour le bâtiment des Saphirs pour un montant de 204 628,82 plus les taxes applicables. Nous avons reçu une recommandation favorable de l'architecte de la firme d'ingénieurs mandatée au dossier et ainsi que du directeur des projets de la ville. On passe au vote. Je vote pour. 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 Au niveau de l'approvisionnement, adjudication du contrat pour la réhabilitation de l'avenue Sainte-Brigitte, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on a reçu des soumissions de 4 entreprises, CAF Excavation, Intercité Construction, PE Pajot, Entreprise PEB.
Alors, la plus basse soumission conforme est celle de P.E. Pageau pour un montant de 176 878,50 plus taxes. Alors, on va passer au vote pour octroyer ce mandat à P.E. Pageau. Pour. 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 Point suivant, adjudication de contrat pour les services d'ingénierie pour l'élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte. On a reçu des soumissions de 4 entreprises, soit Arpo Groupe Conseil, WSP Canada, LMG Ingénieur et Gémio Expert Conseil, le plus bas soumissionnaire conforme, et Arpo Groupe Conseil pour un montant de 91 778. On est vraiment à l'intérieur des paramètres qu'on s'était fixés au règlement d'emprunt parce qu'on avait prévu un montant de 384 000. Alors, on est vraiment en bas du montant prévu, c'est-à-dire 91 778. On va passer au vote pour l'octroi de ce contrat. Pour. 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 Point suivant, autorisation de lancement d'appel d'offres pour la location d'une niveleuse. Donc, la location de la niveleuse vient à échéance pour la prochaine saison hivernale. Malheureusement, à l'hiver, on va en avoir un. Ça va nous prendre une niveleuse pour la saison 2017-2018 et on autorise les services de la Ville à aller en appel d'offres pour la location de la niveleuse. Pour. 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 Section urbanisme, demande de PIA pour le 251-253 avenue Sainte-Brigitte. Madame Auclair, donnez-nous quelques petites explications. Je sais que vous n'avez pas de support visuel, là, mais... C'est pas grave, Madame la mairesse. Donc, une demande de PIA, une demande de permis de rénovation a été déposée le 14 juillet dernier afin de modifier l'usage pour une garderie. Considérant que l'immeuble se situe dans une zone mixte et qu'il est assujetti au règlement relatif au PIA, il doit respecter les objectifs et critères du chapitre 9. Considérant que la demande de PIA a été présentée au comité consultatif le 19 juillet dernier, considérant que le comité consultatif juge que tous les objectifs et critères sont respectés en majorité et recommande d'accepter conditionnellement la demande de PIA selon les conditions suivantes. La couleur et le style de la palissade doivent s'harmoniser avec le bâtiment, éliminer l'effet muraille, ajouter des arbustes le long de la palissade. Donc, il est résolu, Madame la mairesse et le conseil, d'accepter conditionnellement la demande de PIA selon les conditions énumérées précédemment. Pour. Pour. Attendez un instant, j'aimerais juste rajouter aussi, Mme Auclair, que oui, l'asphaltage... Je m'excuse. Également, l'asphaltage du stationnement dans les 12 mois de l'émission du permis. J'avais oublié. Très important, cependant. Je vote pour. Pour. Pour, Emma. Je vais m'abstenir de voter. Pour. Pour. Le point suivant, c'est une modification de la résolution 261-07-16, qui est un PIA pour le 443 avenue Sainte-Brigitte. Madame Auclair, pouvez-vous nous donner lecture de cette résolution? C'est... On n'a pas le texte, Adélaire. Non, Christian a le texte. Modification de la résolution. Considérant que l'approbation du PIA est préalable à l'émission du certificat d'autorisation, considérant la demande de PIA a été déposée le 13 juin 2016, considérant que le requérant souhaite installer une enceinte sur poteau et à plat dans une zone mixte M5 et qu'il est assujetti aux normes relatives aux enseignes situé dans les eaux, dans les zones autres que l'habitation. Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé. Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIA. Considérant l'ambiguïté de la résolution 261-07-16, la Ville modifie cette dernière comme suit.
Il est résolu d'autoriser l'émission du PIA conditionnellement à ce que l'enseigne à plat sur le bâtiment soit de couleurs s'harmonisant avec les couleurs existantes du bâtiment actuel, que le lettrage soit en relief et de couleur pâle, que l'enseigne soit rétro-éclairée et qu'elle ait un cadrage. Donc, il est résolu d'autoriser le PIA pour l'enseigne sur poteau Alimentation Sainte-Brigitte sans condition. Pour. 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 Merci. La demande de PIA pour le 10-19 avenue Sainte-Brigitte. Considérant que le propriétaire désire construire une maison et que le lot se situe dans une zone de contrainte visuelle, donc assujetti au règlement relatif au PIA numéro 712-14. Considérant que la demande de PIA a été présentée au comité consultatif le 19 juillet dernier, considérant que le comité consultatif d'urbanisme n'a pas donné de recommandation pour ce dossier, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé et que le service de l'aménagement du territoire recommande son approbation, puisque la demande a été considérée comme complète et chacun des objectifs et critères était respecté, il est résolu d'autoriser l'émission du PIA et d'autoriser la signature des documents afférents. Pour. 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 La demande suivante, c'est un autre PIA dans un secteur de contraintes visuelles aussi pour le 140 rang Saint-Léon. C'est de l'autre côté de la rivière Montmorency. Considérant que le mandataire désire construire un chalet et que le lot se situe dans une zone de contraintes visuelles dans une zone RT, donc assujetti au règlement relatif au PIA, considérant que la demande de PIA a été présenté au comité consultatif le 19 juillet dernier, considérant que le comité consultatif d'urbanisme n'a pas donné de recommandation pour ce dossier, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé et que le service de l'aménagement du territoire recommande son approbation, puisque la demande a été considérée comme complète et chacun des objectifs et critères était respecté. Donc, passe au vote. Pour. 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 Êtes-vous d'accord, monsieur? Oui, madame. Bon, parfait. Point 25. Point 24, c'est la section greffe. Désignation de signataire pour la municipalisation de la rue Marcoux. Alors, notre greffière, elle travaille pas mal fort, justement, dans le dossier de municipalisation de rue parce qu'elle a découvert qu'en 1994, la ville se montrait favorable à municipaliser la rue Marcoux. Donc, il y a eu des résolutions qui ont été faites. Alors, ce soir, on désigne les signataires pour rendre cette rue publique. Et ce sera moi et le directeur général ou la greffière qui auront à signer ces documents. Pour. 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 Point 25. Qui est l'autorisation à l'organisme des bassins versants de Charlevoix-Montmorency pour la réalisation d'analyses des puits privés sur le territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Alors, l'organisme des bassins versants a obtenu un contrat de la communauté métropolitaine de Québec pour effectuer des analyses d'eau qui sera tout à fait gratuit pour les puits privés situés dans des secteurs isolés, pour prélever les échantillons d'eau, les analyser, transmettre l'information aux propriétaires concernés. Alors, nous, on autorise l'OBV à effectuer ces relevés-là à l'intérieur du territoire de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Et d'obtenir aussi les rapports d'analyse qui seront transmis à la CMQ. Qui seront transmis à la CMQ. Pour. 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 Pour.
Adoption du calendrier des séances 2017. Alors, le calendrier des séances 2017, une séance à chaque mois, lundi le 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 3 juillet, 21 août, 11 septembre, 2 octobre, 20 novembre, 11 décembre. Et à compter, je vous annonce qu'à compter du premier, c'est-à-dire de la première séance de janvier prochain, les séances vont se tenir ici même au parc des Saphirs dans le nouvel édifice municipal. Donc, on aura des locaux un petit peu plus modernes pour vous accueillir. Et on espère, l'été prochain, peut-être le 3 juillet, je pense que ce serait une bonne date de faire une autre séance à l'extérieur, comme je vous le disais, et le 21 août, pourquoi pas. Hein, on va se promener un petit peu là, dans les différents quartiers de notre magnifique ville. On passe au vote pour l'adoption. Pour. On est en harmonie ce soir. Je dis une chance qu'ils vendent pas, hein? Point 27, désignation du directeur général pour une entente de règlement dans le dossier du 1000 avenue Sainte-Brigitte. Le dossier du 1000 avenue Sainte-Brigitte, c'est le dossier qui concerne une espèce de fossé assez considérable qui va jusqu'à la rivière Montmorency. Et on risquait justement de perdre cette section-là de l'avenue. Donc, on se devait de stabiliser ce talus. Alors, le directeur général en arrive à une entente avec les deux parties, c'est-à-dire l'ingénieur conseil et l'entrepreneur qui a fait les travaux. Et nous allons demander également d'avoir une garantie de 5 ans sur ces travaux-là. Donc, monsieur le DG, on le mandate ce soir pour entériner cette entente. Je vote pour. Pour. Pour également. Pour. 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 La section suivante concerne les ressources humaines. On va confirmer l'embauche ce soir de M. Olivier Ouellette-Morneau au poste d'inspecteur en bâtiment, qui est un poste temporaire de 6 mois. Vous savez qu'on a eu énormément de sollicitations au niveau du service de l'urbanisme. Donc, on se devait d'avoir quelqu'un sur le terrain pour faire le suivi des permis, le suivi des inspections diverses, installations septiques, etc. Donc, on se devait d'avoir un inspecteur pour effectuer cette tâche. Monsieur Ouellette-Morneau est déjà en poste depuis le 6 juillet. Non, pas depuis le 6 juillet dernier, mais depuis... c'est tout ça, le 6 juillet? Je pense que oui, hein? En tout cas, je sais qu'il a commencé pas longtemps après les entrevues. On voulait l'avoir tout de suite. Et M. Morneau effectue un très bon travail. Alors, on passe au vote pour l'embauche de Olivier Ouellette-Morneau. Pour. M. Gilles Simard, au service de la sécurité publique, a décidé de prendre sa retraite. Il y a deux Gilles Simard, il ne faut pas se tromper, c'est pas Mémo, c'est l'autre. Donc, considérant que M. Simard a décidé le 27 juin dernier de prendre sa retraite, M. Simard était lieutenant et pompier, premier répondant au service de la sécurité publique. M. Simard a cumulé 23 années de service au sein du service de la sécurité publique. Et je peux vous confirmer, parce que j'ai été moi-même en mesure de voir avec quelle rigueur il a travaillé tout au long de sa carrière, parce que on a vécu une expérience en décembre dernier, lorsque la mairie a été évacuée. Je te dis que M. Simard nous a très, très bien dirigés dans toute cette journée assez spéciale. Donc, je tiens à le remercier pour son excellent travail, pour le dépassement de lui. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était une personne aussi extrêmement dévouée et courageuse. Donc, je tiens au nom du conseil municipal à le remercier. Alors, il va recevoir, comme il se doit, là, une officialisation de tout ça par la voix de notre directeur général. On passe au vote. Maintenant, c'est la période de questions. Puis, j'aimerais inviter quelqu'un à venir poser sa question en premier, là, parce que
On l'avait un petit peu sollicité là, pour ça, c'est Jean-Philippe. C'est ça, Jean-Philippe, c'est bien ça? Louis-Philippe. Louis-Philippe. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a trop de Jean-Philippe autour de moi. Est-ce que ça marche? Je vais vérifier si c'est allumé. Non, d'accord. Non, sur le dessus. Top. OK. Oui, on l'entend. Bonjour, je m'appelle Louis-Philippe Thomassin et j'ai été sélectionné par l'équipe Québec en baseball pour participer au championnat canadien à London, en Ontario. C'est le championnat canadien Pee-wee 3A Elite. Puis j'aimerais savoir si ce serait possible d'avoir une certaine somme d'argent pour m'aider à payer ce tournoi qui serait offert par la ville. Ben, merci, là. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Oui, ben merci. Écoute, oui, effectivement, comme je te le mentionnais tout à l'heure, le conseil municipal a dit oui à cette demande-là. On a une enveloppe budgétaire qui est vraiment dédiée à ça. Alors, nous, ce qui reste à déterminer, c'est avec le service des loisirs, eux, ils ont des critères selon la distance, selon le sport, etc. Donc, le montant sera à déterminer par notre directrice du service des loisirs, puis tu vas être informé de ça. OK, merci. Puis entre-temps, là, je te souhaite un excellent tournoi, puis un beau voyage, puis profite bien là, de ces moments-là avec merci. Ta gang d'amis. Bravo. J'ai juste une question. Quelle position tu joues? Ben, je suis lanceur, puis receveur. Wow! Ah, c'est bon. Excellent. Bravo. Bravo. Merci. Hey, j'ai un autre jeune, là. Hein? Je suis choyé. Deux. J'aimerais savoir, il est où le piton pour allumer les lumières? Dans le fond, nous autres, le soir, on joue au parc, puis les lumières sont toujours fermées. Puis il fait noir, puis c'est dangereux. L'hiver à 4 heures, il fait noir le soir, puis on voit rien. Fait qu'est-ce qu'on pourrait les allumer? Ben, je pense que ce soir, t'as ta réponse. As-tu vu, ils sont allumés. Puis depuis la semaine dernière, ben, je pense qu'on a fait la demande spéciale. Le piton, je sais pas, il est où, mais il y a quelqu'un qui l'a trouvé, puis qui a pesé dessus. Merci. Puis ils vont être allumés, fais-toi-en pas. Bon, ça va continuer. Puis si jamais, là, tu vois qu'ils ne s'allument pas une journée, ben contacte-moi. Contacte le directeur général. Je ne sais pas si tu dois avoir une adresse de courrier électronique ou un Facebook ou je ne sais pas quoi, là. Mais tu m'envoies un courriel, tu me le dis ou tu le dis à Marc. C'est bon. C'est bon? Oui. Merci. Merci. Oui, hey! Bonjour. Ouais. Bonjour. Moi, c'est Nick Tuolo. Parce que moi. Je peux fermer le micro? Non. Tu t'entends, hein, pis c'est tannant, mais c'est pas grave. Ben, moi, je vois beaucoup de gens qui font du jogging, ça, dans les rues, genre plusieurs par jour, incluant moi. Puis souvent, vu que je vais en forêt, plusieurs des chemins ne sont pas construits. Ils ont un début, mais ils font jamais un tour. J'aimerais ça qu'ils soient allongés et mieux faits. Parce qu'une fois, j'ai essayé de monter le haut de la montagne, j'ai failli me perdre dedans. J'ai pas trouvé le haut. Il manquait des balises? Ouais, il manquait des balises, il manquait des chemins. Okay. Puis c'est pour ça que je suis venu ici, je viens de la Gaspésie, et j'ai vu cette place-là, ça me rappelait cette place. C'est pour ça que j'adorais monter ces montagnes, c'était beau. Ouais. Fait que c'est pour ça que je voudrais qu'on améliore ça. Ben merci, puis oui, effectivement, même d'ailleurs dans le secteur ici, il y a une demande de subvention qui a été faite pour le long de la rivière au Pin. Tu sais, la rivière là, qui traverse ici là, le secteur au complet. Puis toi, est-ce que tu me parles du sentier qui va à la montagne Tremblay, c'est tout ça? J'ai fait plusieurs, incluant celle-là derrière vous. Et la montagne à deux têtes. Ouais, la montagne à deux têtes, j'étais pas capable. Ouais. La montagne à deux têtes, je pensais que c'était créé, mais environ vers la fin, ouais. Il y avait un mur de roche, il n'y avait pas de contour, il n'y avait pas de chemin. Alors, tu sais, parce que moi, j'adore voir la vue d'en haut, puis c'était vraiment beau. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Mais. C'est, ça serait une bonne chose, parce que la forêt ici
je pourrais dire, très beau, surtout en automne. Tu as raison. Puis j'apprécierais ça. Ça serait. Ce que je peux te dire là-dessus, là, c'est qu'on travaille déjà. Concernant les sentiers, là, oui, effectivement, Action Sentier Lavalois sont conscients de ça. Puis il va y avoir de la nouvelle signalisation qui va être installée. Mais c'est tout à faire, mais effectivement, oui, ça va être fait. Mais je ne sais pas dans combien de temps, là, mais c'est sûr qu'on est, sensibilisé là, à cette cause. Mais c'est quand même bon de savoir quels secteurs de sentiers sont plus problématiques. Donc, oui, effectivement, on va leur noter, on va leur les informer. Action Sentier Lavalois, parce que c'est eux qui s'occupent de la signalisation des sentiers, nettoyage des sentiers. Alors, on va les informer de ça. Merci. Ben merci, Nick. Bonne journée. Merci, bonne journée. Toi aussi. Bonjour. Là, le micro est fermé, je pense. Oui, hein? Là. OK. Ouais. Ben, Nicole Beaulet, j'habite au 26 rue Langevin. Alors, je vous entends pour la énième fois parler du... De la rue de l'Étain et de la rue de l'Étain et de Langevin. Ouais. J'imagine que ce ne sera pas pour cette année. J'imagine que ce ne sera pas pour l'année prochaine. Parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on nous promet ça, là. Entre-temps, moi, je suis la dernière du bout. Là. On a le terrain qui borde la rivière. Alors, pour que toute la rue aille de l'eau, moi, il faut que je fasse couler de l'eau dans le bois tout l'hiver, du mois de décembre jusqu'au mois de mai. Ça veut dire que j'entends l'eau couler 6 mois de temps. Là. Je me demande si ça serait possible, tant que ça ne sera pas fait, ça, de faire une entrée après la mienne, là, qui est la dernière, puis qui s'en ira dans le bois, mais qui partira pas de chez vous. Vous n'entendrez pas tout le temps l'eau couler. Ah, c'est ça. Marc, est-ce que tu peux noter ça, s'il te plaît? Oui, parce que, justement, c'était ça. Au départ, là, le premier projet qui devait avoir lieu ne faisait pas de bouclage. Puis on sait très bien qu'un réseau, il faut que ce soit bouclé. Hein? Parce que là, vous voyez l'inconvénient que vous avez, là. Ben, oui, mais ben, dans le temps, c'est parce que dans le temps, c'était des chalets, je comprends. Oui. Mais là, c'est toutes des maisons neuves qui sont sur celui-là. Puis c'est comme un genre de. Exact. On se croirait dans une république de bananes, là, avec cette histoire-là. Là. Fait que. Est-ce que je peux attendre des nouvelles de ça ou. Pouvez-vous laisser vos coordonnées à M. Proulx? Que M. Proulx vous contacte. Certainement. Parce que, oui, effectivement, on va faire un suivi pour savoir si c'est possible d'aménager quelque chose pour vous rendre la vie un petit peu plus aisée là, dans votre maison. En espérant que ça va aboutir avant des années aussi, là. Ben, en tout cas, moi, je pense que j'ai bon espoir que ça aboutisse. Là, mais là, ce que j'ai compris, est-ce que vous attendez là, maintenant une subvention qui viendrait du gouvernement pour aller de l'avant dans cette histoire-là? Non, pas nécessairement, parce que actuellement, on attend notre plan. Non, pas le PPI, le plan d'intervention qu'on doit mettre à jour. Le plan d'intervention va nous dire, si admettons la rue Étain-Langevin est prioritaire, mais à ce moment-là, on va pouvoir utiliser les sommes qu'on a reçues de la taxe d'assises, la taxe là, sur l'essence, pour pouvoir effectuer ces travaux-là. Donc, moi, d'après moi, je pense que c'est une rue qui est quand même assez prioritaire, parce que justement, il faut faire un bouclage. Ben, dans les années passées, ça avait l'air d'être déjà décidé, voté, organisé, arpenté, tout, puis tout à coup, bang, il ne se passe rien avec ça. Mais comme je vous dis, si ça a été cancellé, c'est qu'il n'y avait pas de bouclage de prévu. Bien, il y avait été question que... Les devis qu'on avait, ça ne concernait pas un bouclage, mais là, il faut boucler, parce que sinon, vous allez toujours avoir le même problème. Alors, ça va régler d'autres problèmes aussi qu'on a, par exemple, sur la rue du Couvent. Alors, c'est important, là. Tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Oui, parce que les équipes sont à plusieurs reprises sur la rue de l'Étain puis sur la rue de Langevin à chaque hiver. C'est des coûts, ça aussi. Oui. Je ne sais pas si c'est comptabilisé, mais... Oui, c'est comptabilisé. Oui. Alors, je vous remercie. Merci, madame. Tout de suite. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, madame.
Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Mon nom est Catherine Picard. J'habite Place des Châtelains. Puis moi, c'est concernant l'usage des pesticides à Sainte-Brigitte. Oui. Je vois que pendant l'été, là, il y a des gens qui font traiter leur pelouse, puis il y en a que c'est avec pesticides. Donc, je me demande si c'est quelque chose qui va être fait pour cesser l'utilisation des pesticides. On a un comité CCADD relatif à l'environnement. Je ne sais pas si c'est dans leur plan. Jean-Philippe, peut-être que je te laisserai répondre à cette question-là. Écoutez, je vais le soumettre au comité certainement, cette question-là, pour qu'on regarde ça, qu'on regarde aussi qu'est-ce qui s'est fait ailleurs dans les autres municipalités. C'est une question qui est sensible et qui est assez complexe quand même quand on vient à faire un règlement là-dessus. Là. Mais je l'amène au comité puis on va avoir des nouvelles par la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Le plus gros utilisateur de pesticides à Sainte-Brigitte, c'est le terrain de golf. Bonsoir, Chantal Savard-Lamontagne, 15 rue Dionne. Ma question était, vous avez piqué ma curiosité avec le 1000 avenue Sainte-Brigitte, parce qu'on a investi beaucoup d'argent, là, la ville. Oui. Dernière question que j'avais là-dessus, c'était de plus que 100 000, me semble. Ah oh, oui, c'était... Moi. Puis là, le contrat avait été donné à CAF Excavation. Puis là, il y a eu un conflit. Non, c'est pas à CAF. C'était pas CAF. Ça a été donné à... La Fontaine, l'excavation La Fontaine. Puis il y a eu un conflit? Bien, c'est pas qu'il y a eu un conflit, c'est que ça n'a pas tenu. Ah! Les travaux n'ont pas tenu. Bien, on avait des plans d'ingénierie? Oui, on avait des plans d'ingénierie, fait que c'est pour ça qu'il a fallu prendre une entente avec l'ingénieur, puis avec l'entrepreneur, pour qu'il y ait des correctifs qui soient apportés, et une garantie pendant 5 ans sur ces correctifs-là, parce que pas longtemps après les travaux, ça a glissé. Ah, ouais, encore? Ouais. OK, merci. J'avais une autre question. Où que le MTQ arrête? Moi, j'avais comme l'impression que le MTQ continuait jusqu'à la barrière sur l'avenue Sainte-Brigitte. Non. Auclair. Ah, il arrête à la rue Auclair? Yes, oui. Puis ces travaux-là, en fait, ben, ça me titillait, puis je vous soumets un peu l'idée. Puis il me titillait aussi quand vous en aviez parlé il y a un an, parce que c'était des grandes sommes d'argent pour peu de résidents. Parce qu'on comprend qu'on arrive à barrière, là. Quand on est rendu au 1000, on est quasiment à barrière. Oui, mais là, on va jusqu'à la rue Saint-Georges. On va pas aussi loin qu'à la barrière. Donc, la première phase des travaux. Mais le 1000, je parle du 1000 à l'avenue Sainte-Brigitte, madame la mairesse. Ah, OK, je pensais que tu parlais des. Parce qu'il y a beaucoup d'argent investi là. Puis passer ça, là, il y a peut-être 4, 5, 6 maisons. En tout cas, pas bébé plus, on tombe à la barrière. Puis passer la barrière, bien, ça appartient à Stoneham. Donc, on investit beaucoup dans... Pas Stoneham? Stoneham, c'est le séminaire. Oui, mais ces gens-là payent des taxes à qui? Ils payent pas de taxes? C'est divisé en plusieurs municipalités. Il y a Stoneham, il y a aussi Château-Richer. Ah oui? Oui. Dans tous ceux qui ont des chalets, que dans le fond, nous, collectivement, on paye le 1000 pour ces gens-là. Est-ce qu'on va aller demander des sommes d'argent aux autres municipalités ou on assume complètement la facture? Ben non. Peut-être que si Lac-Beauport nous demandait un petit peu d'argent, je pense qu'on en donnerait pour les aider à refaire la traverse. Oui, je pense que oui. OK, merci. Merci, bonjour. Vas-y, Nadine, profite-en. Pour l'école secondaire, là, peux-tu visualiser ça, que ce serait dans 5 ans, 7 ans, 8 ans? Je sais qu'il ne peut pas avoir vraiment de chiffres. C'est assez difficile, mais c'est sûr que c'est un projet à long terme. Juste pour te donner une idée, Nadine, l'école primaire, ça a pris 5 ans. OK. Tu sais, avant de voir réaliser, de partir l'étude puis réaliser tout ça. Donc, l'école secondaire, bien là, c'est un autre paire de manches. Mais moi, ce que j'entends de plus en plus, puis ça, là, ça me fait tellement chaud au cœur, c'est des gens, mettons, des petites familles qui sont dans les jumelés, puis qui disent, moi, ma deuxième maison, c'est à Sainte-Brigitte que je l'achète. Ah, ça, là, ça me dit, les gens, là, ils se fidélisent à Sainte-Brigitte de plus en plus. Fait que ça me fait dire, bien là, faut penser à plus tard, puis il faut penser que... Nos petits, là, nos jeunes là, qu'on voit jouer dans le parc, là, à un moment donné, ils vont être ados. Puis, c'est des économies à tous les niveaux, hein? Ouais. Au niveau du transport scolaire, au niveau
On parle de l'avenue Sainte-Brigitte qui est engorgée. Bien, on va avoir moins d'autobus, moins de parents aussi là, qui vont voyager les enfants. Donc, je pense que ça va régler un paquet de problèmes qu'on a actuellement. Bien, félicitations à l'équipe. Bien, merci. Merci. Bon, on va vous souhaiter une belle fin de soirée. Je pensais qu'on aurait un jeune là, en avant là, qui viendrait nous poser une petite question, mais... Il nous reste des beaux biscuits, des jus. Fait que, venez en profiter. Produits locaux, en passant. Disposition finale, levée de la séance, on va passer au vote. Pour. 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 Pour les biscuits. Hey, merci tout le monde.